on poursuit sur cette séquence de saison régulière. Il y a contact, Vassal qui tombe, le tir, et la rondelle est bloquée par Corpissalo. Et Vander Kane, la rondelle qui revient au point d'appui. On passe pour Evan Bouchard. Bouchard, le tir dévié, et le but! Connor McDavid lance le bal. Il marque le premier but de cette rencontre. C'est vraiment ce qu'on a vu juste là. Et Draisaitl, qui était positionné, a tenté de se sortir du chemin de Philippe Danault. Quelle qu'en soit la situation, quelques instants plus tard, regardez cette mise en scène du point d'appui directement sur la palette de Connor McDavid. Cette déviation qui va passer entre les deux jambières. Ah, c'est tout un trio, Kane, Draisaitl et McDavid sur la même unité. Et là, c'est McDavid qui va transporter la rondelle. Ce sera un 2 contre 1 avec Draisaitl. McDavid, le tir et la rondelle arrêtée par Corpissalo. 2 contre 1 avec les deux meilleurs éléments. Ne pas oublier cet arrêt de la part de Corpissalo à un moment important. Garde la rondelle en jeu. Ça devient une passe pour McLeod. Le tir sur réception. La rondelle a été bloquée. Byfield a bien joué. Bien fait de la part du jeune joueur des Kings. Kevin Fiala et disque. Freine. Rondelle derrière. Reçu. Le tir. Et le but! La rondelle s'est trouvée un chemin derrière Stuart Skinner. Bien, comme on l'a vu si souvent dans cette série, difficile de garder une avance. Plus tard, on récupère une rondelle. On a un petit peu trop de temps et d'espace en territoire offensif. Et cette rondelle qui va dévier sur le patin de Ryan. Il y a une circulation devant le filet. On n'est pas en mesure de récupérer la rondelle pour Stuart Skinner. L'égalité créée. Par la suite, Edmonton, mais pour moi, c'est l'homme de la situation. McLeod passe du côté gauche. Entrée de territoire avec Kostin. Couvert le centre. Kostin, le tir et le but! Klim Kostin fait 2-1 Edmonton. Corpissalo battu du côté droit. Et vraiment, quel travail de la part de ce trio. Et le fait qu'on amène un joueur dans la ligne du centre, un petit peu de confusion à l'entrée de territoire. Et Kostin qui prend le centre. Et regardez, de cet angle, on voit pas grand-chose là, pour Corpissalo. T'as les deux défenseurs et la réaction est... Intercepté, dévié, Desharnais, de retour avec Fongo, pardon, le tir, la rondelle a été bloquée, Fongo à nouveau, le tir, et là Corpissalo est revenu à temps. Alors début de la deuxième période, McDavid opposé à Dano, à nouveau la confrontation à surveiller. Le Québécois a gagné la mise en jeu. Ouais, ça tourne entre par le centre, la passe, beau repli défensif derrière Fallow. Au devant, le tir et Corpissalo. Oh là, Kane atteint au visage par un bâton. Oui. Auparavant, avait frappé à la porte. McDavid remet pour Nugent Hopkins, la passe du côté droit. Draisaitl l'avance, le voici dans le cercle. La rondelle est pour McDavid. McDavid revient, la passe est pour Draisaitl. Derrière à Bouchard. La passe pour McDavid. Une passe reçue, le tir et le but! Draisaitl en avantage numérique. McDavid lui a servi une brillante passe. De brillante façon, vraiment donne une chance à son équipe et la chance, on ne la ratera pas. On bouge tellement bien la rondelle et cette passe transversale dans le centre de la patinoire, c'est la pire que tu peux offrir à un joueur de talent. Et regardez Draisaitl. Fiala avec Yamamoto tout près. Permutation. Les Kings, patient, méthodique. Fiala, la passe, Kempe, le tir et le but! Mais encore lui, son cinquième, Adrian Kempe. Autre opportunité à Kempe cette fois-ci. Il ne rattrape pas son coup. Partie supérieure, côté rapproché, juste là. Et tu vois que Skinner, lui, se dirige pour un lancer sur réception. Et là, oups, il doit se réagir. Dowry remet la rondelle pour Kopitar. Kopitar se déplace, revient le long de la rampe. Kopitar passe, permutation, Arvidsson de retour derrière. La rondelle est à Fiala, on envoie Dowry à Fiala. Fiala. Attends, le tir et le but! Kevin Fiala crée l'égalité, autre but en avantage numérique. L'excellent travail du capitaine Kopitar. Regardez-le devant le gardien de but Skinner. Directement à l'extérieur du demi-cercle. Skinner tente de voir cette rondelle et à la toute fin, avec l'écran, eh bien, elle va frapper l'intérieur du poteau et l'égalité créée. Son premier de la série. Il avait raté les trois premiers matchs de la série. C'est Sifrène.
La passe est pour Mecklenburg, on s'en fait une surprise. La rondelle était lancée de façon vive. Le tir de Fiala et Skinner qui ferme la porte. Et il n'y en a pas, on poursuit. Anderson perd la rondelle. Draisaitl tourne, remet derrière. Le tir de loin. Retour. Rondelle libre. Le tir et le but. Klim Kostin, son deuxième du match. Et les Oilers reprennent les devants. Quel match en montagne russe. Oh, c'est un match de fou. C'est incroyable ce qui se passe sur la patinoire. Pour moi, ça en dit beaucoup. Le joueur le sait très bien qu'il devrait être chassé sur la séquence. On ne le fait pas et en bout de ligne, c'est les Oilers qui vont en profiter. Qui d'autre que Kostin? Et regardez la réaction. Rondelle dans l'enclave, récupère celle-ci et redonne les devants aux Oilers. Rapidement, Servetsu, la passe est pour Kempe. Cette rondelle va être ralentie. La fin de Kempe. Ouais, le tir de la Red Skinner de retour à Dernay. C'est parti, début de la troisième période. Est-ce que l'avance des Oilers sera tenir? Une rondelle à nouveau bloquée et les Oilers qui repartent. McDavid reçoit la rondelle. Entre. McDavid, le tir du revers. Et la rondelle a frappé le poteau à la gauche de Korpisalo. Premier temps avec Evander Kane d'un côté. Regardez. Il tire les bras côté rapport. Ekholm, la rondelle, il l'envoie sur la rampe. Le disque est pour McDavid, entrée de territoire. McDavid, le tourniquet, la passe. Il a été frappé. On revient devant et... Oh, bon. Oh, et l'arrêt! Disque perdu, on s'en sort bien. Pour sauter directement sur le banc, moi, j'ai été impressionné par Draisaitl, la façon dont... Son père, Richard Nurse, a joué dans la Ligue canadienne. Kempe, la passe devant et la rondelle est bloquée par Stuart Skinner. Et je vous rappelle que Nurse est le neveu de Donovan McNabb aussi. Deux opportunités vers le filet suite à cette déviation dans un premier temps de Kopitar qui n'a pas eu vraiment le contrôle. Le long de la clôture, la rondelle est dégagée, ce sera Gavrikov devant. Et là, la rondelle qui se rend à Skinner. Skinner, oh non, non, le tir et le but! Quelle erreur! Aïe, 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 Dano crée l'égalité. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il a tout simplement raté son coup. Regardez bien, il a tout le temps voulu agir rapidement, manque son coup, remet cette rondelle à Dano. Quand tu exerces une certaine pression, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Et j'ai hâte de voir la suite des choses pour Skinner. Comment va-t-il être en mesure de s'en remettre? Et Will Farrell, lui, ben qu'est-ce qui s'est passé? Ce sera McLeod derrière le filet. Se déplace. La passe. Autre passe pour McLeod. McLeod remet à Yamamoto. Il se déplace. Yamamoto qui revient. Le tir. Et le but! Keller Yamamoto, la rondelle, s'est retrouvée au fond du filet. Avec 3-0-2 à faire. On avait quelques opportunités de la part des Oilers dernièrement. C'était de trouver ce moment ou cette façon d'inscrire un but important. Et regardez, le travail, bon travail le long de la rampe. Et là, il y a de la circulation. Et voyez le tir. Korpisalo a deviné qu'elle s'en allait de ce côté, mais n'a pas été en mesure de la repérer. Partie supérieure. Et les Oilers qui reprennent les devants encore une fois. Ben Keller, Yamamoto et Darley qui revient à la ligne rouge. Les changements d'apportés par Edmonton. On refoule les Oilers dans leur zone. Kulak se retourne. Le disque est lobé. Oh boy. Ouais! Korpisalo qui revient. Touche à la rondelle. In extremis. Cette rondelle semblait revenir vers le filet. N'en fait juste assez. À la ligne rouge. 5 secondes à faire. Le disque lobé. Une frappe de loin. Ça dévie. Les Oilers éliminent les Kings en 6 matchs. Les Oilers ont rendez-vous avec les Golden Knights de Vegas.